Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo à côté de la maison, petite vidéo test, parce qu'en fait j'ai fait quelques modifs sur le kayak. Voilà, j'ai rehaussé le siège, j'ai mis la grosse trappe, vous voulez voir, la trappe carrée, donc quelques modifs, faut voir comme ça tourne. J'ai changé l'aileron, voilà, pour la saison 2024. Écoutez, c'est ma première sortie en étang depuis cette année. Bon, les eaux sont froides, hein. Je vous cache pas que c'est pas hyper chaud. Voilà, écoutez, donc on va essayer de pêcher le canal. Je sais qu'il y a une tombale là, à l'intersection, donc on va essayer de pêcher par là. On va lâcher quelques appâts au ténia là. Il n'y a pas trop de courant, donc c'est parfait. Et après on se mettra au loup, hein, ou avant, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. C'est plutôt une session reprise. Ça n'a jamais été fou, hein, les débuts de saison comme ça. Donc on va voir. Allez, s'il y a du poisson, il y aura une vidéo. A plus, ciao. Bon, bah écoutez, on fait un peu de ténia là, dans le courant, ça n'a pas marché, on s'ira ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va pêcher le loup maintenant, on va pêcher les bordures là, au leurre souple et au leurre dur, en surface et un peu entre deux eaux, donc voilà, allez. On va essayer ça, on va essayer quelques leurres un peu silencieux parce que c'est très calme, très calme aujourd'hui, c'est pas très bon pour le loup. Et je sais pas, un peu les eaux sont froides aussi, donc ça donne pas trop. Non, voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah, je crois que c'est une aiguille. Ouais, une aiguille. Ouais. Oh là là, une aiguille. Une aiguillette. Oh, elle est pas petite. Hein. Le premier poisson de la saison. Voilà. Ouais. J'ai pas trop envie de te toucher, tu vois. En fait, si je te touche, arrête de bouger. Je suis obligé de te toucher. Je t'abîme. Voilà. Un peu abîmé de le dos, mais rien de méchant. Allez, on continue, c'est pas ce qu'on recherche. Une saison comme ça, je fais pas de grosses animations. Parce que le poisson est encore un peu léthargique. Donc je fais des petites animations. Des bonnes pauses. Ça sert à rien de se fatiguer le poignet pour rien. Bon. J'ai des attaques, hein, franchement. J'ai des attaques depuis ce matin. Il doit pas être bien gros. De gratter au milieu de l'étal, là, vous. En début de saison, elles sont toutes sur les bordures. Enfin, le poisson est sur les bordures. Donc, on essaye de pêcher léger, là. Voilà, j'ai plus de touche. Hein. Bon, la touche a été belle, mais. Ah, j'ai rien dit.
Premier poisson, bon, je pense pas que c'est gros. Ouais, ça tire, hein. Bon, après, c'est une dorade. Hein. Première touche au Téléa de l'année. Premier poisson de l'année. Ouais, ça peut être joli, hein, je sais pas. Après, dorade, ça se défend. Ouais, elle est pas laide. Elle est pas laide, elle est pas laide. Ouais, elle est pas petite. Bah, ça va quoi, 500 grammes. J'ai rien préparé, je pensais pas pêcher. Décroche-toi, allez. Elles sont dans les étangs donc. J'ai oublié que ça tirait. Oh, elle a décroché. Oh, décroché. Alors, on l'a pas vu, hein, mais le poisson y était. Je pense qu'elle était belle. On a bien laissé manger la crevette. Allez, on va se remettre là-bas. C'est pas mal. Poisson. Poisson. Oh, ça n'a pas l'air petit. Waouh. Alors, ça va essayer de pas la décrocher. On est remonté en surface. J'ai bien ferré. Ah, c'est un loup. C'est un loup, je crois. Qu'est-ce que c'est? Ah, une grosse dorade. Mais voilà. Très beau poisson. Ah ouais, elle est belle. Ouais. Oh. Ah ouais. Pour le début de la saison, c'est beau. La touche était timide. Hein. Elle a juste piqué. Oh le combat. Oh le combat. Oh le combat qu'elle me met. Elle est juste piquée sur la tête. Hein. Pas la perle. Hein. Oh là là, le beau poisson, tout blanc. Je savais qu'elles étaient dans les étangs. Ah, l'épuisette, j'arrive pas à l'attraper. Ah ouais, elle est belle. Ouais. Ah, j'attaque la saison fort là. Elle est juste piquée, là je fais le con. Je fais le con. Et voilà. Et ouais. Très beau poisson. Très très beau poisson. Poisson voilà. Pris en ultra léger là, en tête de roche, très beau poisson, très beau fish, Aeténia carnassup toujours, on pêche toujours en ultra léger, vous avez vu, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, hein. Poisson de début de saison, poisson blanc, donc voilà, on va la garder, et on en a relâché pas mal, hein. J'en ai décroché une, j'en garde pas beaucoup, mais bon.
bananes, c'est ni à crevettes. Hein? Ouais, mais vous embêtez pas, vous mettez une tête plombée. Avec un petit hameçon, ça fait quoi? Mais vous pêchez léger. 10 grammes. Hein. Vous emmerdez pas avec des trucs trop lourds. Alors moi je la décortique pour la dorade. Ouais. Après tu peux mettre un bibi, tu peux mettre ce que tu veux, ce qui mange quoi. Et vous faites. Ouais mais là vous avez pas les cannes pour là. Et vous faut des cannes à l'heure quoi. Et vous faites les bordures, vous mettez une tête plombée. Vous mettez une tête plombée et. Attends, je vais t'enfiler une. Bon, le problème c'est que je me foutrai. Non mais je veux pas péter le. Je vais te la balancer quoi. Tu vas comprendre. Bon celle-là elle est un peu rouillée mais. Après tu mets ce que tu veux, comment pas. Tiens regarde. Je t'enfile une là. Ouais. Tu reproduiras quoi. Attends, j'ai pas envie de péter mon gouvernail. Ouais, il y a un peu de poisson, mais c'est pas fou, hein. C'est pas la mort, hein. Ah ouais, ça l'arbre. Attends, regarde, tu vas voir. Ah, mais je pense qu'elle va tomber sur la pagaie. Ouais, attends, il va toucher le salade. Dépêche-toi. J'ai le temps, hein. Et le loup, vous avez essayé un peu? Moi j'en ai fait un peu, mais pas ici. Tu vois, tu te fais pas chier quoi, tu mets ça sur ta. Ça va pas tomber, hop, regarde. Parfait. Et tu pourras les reproduire, hein. C'est un ténia mais hyper léger quoi. Ça fait longtemps que je pêche comme ça sur mes vidéos, c'est. Ouais, ils sont un peu rouillés. Et là, ce que tu fais, tu mets ta piade, tu mets ton bibi, ta crevette là, et tu fais les bordures. Ou au milieu. Bon après c'est pas la saison où ça sort, hein. C'est pas la saison, c'est plus. J'ai jamais pensé. Ouais mais ça sert à rien de s'emmerder la vie. Hein. Voilà, tu mets une petite assise et basta. Je sais pas, ça a du 35. Je sais plus, c'est vieux. Voilà. J'ai du gros. Moi, je fais des gros poissons. Hein. Déjà vu, ouais. C'est pas la barra. La baraka, non, lui, c'est. La baraka, c'est. C'est le breton, lui. Non, moi, je suis d'ici, moi. Vous embêtez pas, voilà. Dessus, tu mets ton bout de bibi, un bout de. Et tu grattes. Et tu pêches hyper léger. Tu mets pas lourd. Parce qu'elles sont posées, là, au bord. Là, je l'ai fait dans 50 cm d'eau. Hein. Et j'ai eu des touches. Hein. Je pars sur le poisson parce qu'il faut que je rentre à midi, quoi. Voilà. J'ai envie d'y aller là en flotte tube. Tu sais un flotte tube tu peux te mettre quand la mer elle est belle. Tu t'ancres quand même. Ouais, sur le bord. Tu sors et tu fais les bordures. On est allé aux Arrêtés, il y a un bateau dans 7 mètres d'eau. Ouais. 13 poissons. Des pajots, des pagres et des torades. Des beaux? Ouais, des beaux, ils sont pas. Ah ouais. 35-40 quoi. Ah ouais, des beaux poissons. Ouais. On a pris 14 mais il était petit donc on l'a rejeté le pagre mais. Ouais, moi je casse c'est petit, je balance. Ouais. Une dorade, tu la pêches, elle fait 20 cm hein, à la fin de l'été, elle fait 40 ou 50. Donc tu te régales après. Tu sais pas pêcher. Il va faire à partir 500 grammes, 600. Ouais, voilà, faut lâcher. Hein. Là, pour les toutes petites. C'est abusé quoi. Tu relâches. Dans 6 mois, tu vas te régaler, le poisson il sera comme ça. Dans 15 jours. Ciao les gars, merci. Bon, session terminée, voilà, hein, je...
session de pêche express. Je suis arrivé à 8h, là c'est 11h, je m'en vais. Donc voilà, quelques attaques, quelques attaques de loups. Je fais une aiguille. Donc après voilà, vous avez vu, je décide de passer au ténia. Je décroche une jolie dorade qui doit faire même pas 300-400 grammes. Là. 500 grammes, allez. On entend un peu la barre parce qu'elle combattait. Et après vous avez vu le dernier poisson. Un poisson qui doit faire plus du kilo. Ah ouais, plus du kilo. Un poisson pris dans peu d'eau. Avec des ténias hyper légers, hein. C'est mes ténias à moi. Vous avez pu le voir. Donc un bon début de saison. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à plus. Ciao.